Le nouveau Premier ministre en République démocratique du Congo, engagé à faire respecter l'ordre et la sécurité. Sami Badibanga s'est exprimé ce mardi à l'occasion de la passation de pouvoir avec son prédécesseur Matata Ponyo. Le Premier ministre entrant prend officiellement le contrôle du gouvernement le 19 décembre, c'est-à-dire au lendemain de la date qui marque la fin du mandat de Joseph Kabila, selon la constitution de la RDC. Au moment où je m'apprête à prendre mes fonctions à la tête de ce gouvernement de large consensus, je voudrais lancer un appel à la paix, la tranquillité sur toute l'étendue de la République. Le gouvernement prend des dispositions d'encadrement des forces de l'ordre et de sécurité afin que l'ordre public soit strictement respecté dans le respect des droits et libertés de chacun. Des violences meurtrières ont éclaté mardi à Kinshasa et dans plusieurs villes de RDC, au jour de l'échéance du mandat de M. Kabila, qui entend toutefois se maintenir au pouvoir après que l'élection présidentielle prévue cette année a été reportée sine die. Au terme de la journée de mardi, le gouvernement a reconnu la mort de 9 personnes à Kinshasa, alors que 2 autres décès ont été enregistrés à Lubumbashi.